Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Serge Biat de l'église La Compassion Divine. Je suis très heureux de vous rencontrer nombreux au travers de ces plateformes que nous venons de créer. Ces plateformes s'appellent les ambassadeurs SCD. C'est une plateforme, bien-aimée, que nous avons créée pour l'édification, l'exhortation de la parole de Dieu, afin que nous puissions grandir ensemble dans le Seigneur. C'est aussi une plateforme qui va nous aider afin que nous puissions rester en contact avec tous ceux qui font partie de la grande communauté de l'Église La Compassion Divine, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Canada. C'est un groupe où nous allons socialiser, c'est un groupe où nous allons nous édifier mutuellement, partager la parole de Dieu. Alors l'objectif du groupe, c'est simplement pour partager la parole de Dieu, où chacun de nous se sentira libre selon que Dieu le mettra à cœur de nous. Et nous exhorter, de nous édifier avec la parole de Dieu. Si tu as un très bon cantique, tu veux ou tu peux aussi chanter, l'enregistrer et nous le faire écouter pour notre édification mutuelle. Vous savez que nous sommes dans une société où il y a plein de problèmes, mais bien aimé dans le Seigneur, au travers de ces plateformes, ceux qui n'ont pas de famille trouveront une famille au travers de cette plateforme. Ça sera une plateforme où les gens viendront et seront édifiés par la parole de Dieu. Donc nous n'allons partager que la parole de Dieu et la parole de Dieu qui est prêchée à l'église, La Compassion Divine, point barre. Donc ne nous amenez pas à autre chose, nous voulons manger la nourriture de la maison et bien aimer dans le Seigneur et partager avec nous la prédication de dimanche de l'église. Tu peux aussi partager avec nous ce qui t'a édifié, ce qui t'a plu dans ce qu'on a prêché le vendredi, le samedi, le dimanche à l'église, tu peux partager aussi avec nous. Donc c'est une occasion que nous donnons à tout le monde de s'exprimer parce que nous sommes tous des ambassadeurs de Jésus-Christ et nous pouvons tous parler de notre royaume et parler de notre Jésus-Christ. Donc j'espère vous compter nombreux et j'espère faire de ces plateformes une occasion de bénédiction, d'édification, d'amour, de joie et de paix. Voilà ce que nous allons faire avec ce groupe. Alors tout celui qui ne va pas respecter les restrictions du groupe, on va le couper et on va le bloquer complètement pour que ce groupe puisse être un groupe de respect, de considération et d'édification mutuelle. Que Dieu vous bénisse, le pasteur.